personne n'aurait cru dans les premières années du 21e siècle. Que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Que, tandis que les hommes s'occupaient à leurs différentes activités, ils étaient observés et étudiés. D'aussi près qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, à travers la planète, confiants dans leur empire sur ce monde. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des intellects vastes, froids et hostiles considéraient notre planète avec des yeux envieux. Et lentement, et sûrement, dressaient leurs plans contre nous.